Balandia Congo Live Télévision, tokouté nabino na mokolo elelo, toko partagé ba sujet pe information yo sou koleka na kati ya République démocratique du Congo. Lelo oyo et mboka na biso ça coule beaucoup d'encre. Lelo toko luka koyeba toko pousa na pene pene ya maponami. Mais ba dossier ko bima ebele bele koningisa toile et koningisa scène politique ya République démocratique du Congo. Lelo to toli toyeba nini koleka réellement ba dessous des cartes nini ezali na scène politique à la République démocratique du Congo, lelo oyo, tant qu'on pousse à la peine et peine à ma ponami, mais bah arrestation, bah dossier zobima, bah situation politique, comment on en a, lelo oto koye bate parce que bah Congolais, bah tout na kibiso mituna, bo tout na kibiso mituna, est-ce que Mikolozali koye toko vire, bah moment y a tension, t'es na kat sa République démocratique du Congo, nyon soin to koye bah yon émission na biso, lelo toko beta, ma solo, nanya kozala maudit na kat sa République démocratique du Congo, nanya kozala maudit au sein ya bah leader, ya eza la opposition, eza la bah leader politique à la République démocratique du Congo, est-ce que maloba on est singulier qui est l'Obama na place publique les loyaux monseigneur de Nassien Chole a lobby était un illettré a pourri courmané président de la République mais un illettré ne peut jamais akoma abe ah ils ont dit bas propos ils ont dit tenu la bandit était toi les ont chauffé Mikolo parce que est-ce qu'il y a une guerre qui est déclarée entre le pouvoir en place l'UDPS et l'Église catholique tokoé bah on a quatre émissions à bissou les loyaux parce que toko betape masolo au Italie République démocratique du Congo tout le baga maï ninga na kapamba te souki maï ninga ni même mbisi ya monene wazali na se ama ya komi tout na lobby était awa problème ezwami donc attaque aux quantités ya monene na ngai singeli na parce que problème et côté dans monde na biso nzete oyo et kobota etaka makelele te mais nzete ko ko etaka makelele mingi lelo oyo nani akota makelele mingi na kati ya République démocratique du Congo nani akoloba bosolo nani akola kisaba congolais nzela ya malamu na politique ya République démocratique du Congo tokoyeba yango meeting ya opposition dali fiasco to réussite tokoyeba yango na émission na biso lelo nazina esengo ya koya mamona mboka racheté ye tozali na biso tozali na ye na kati ya Congo Live Télévision Congo Live Télévision oyo et kokota partout et pa ba diaspora merci na ba message boko tina ba suggestion na présidence ezala na ba yo opposition merci mingi na ba suggestion et puis na ba message boko kuma et puis na bino ba téléspectateurs nyoso lolenge kani boko continuer toujours ko sala biso confiance ba ndeko nyoso ya Grand Kivu pe ya Goma Congo Live Télévision ezali toujours de cœur na bino parce que toko partager moment oyo nyoso boko vivre ensemble lelo oyo mwana mboka racheté a lobby été ya ko bimisa ba vérité na ye bomba bomba mabe a ko bimisa ba vérité a ko bimisa nyoso ali na yango a lobby été soki boko kanga ye pona mboka pona intérêt ya Congo basala yango parce que azali mwana mboka ya solo congolais de père et de mère mwana mboka mboté na yo merci journaliste d'investigation merci pona ba kongomani merci pona ba ndeko ya Kivu Nord Kivu justement bref est nous avons compatir na bino na malheur ezo yakuna insécurité pétuiri c'est-à-dire soki musapi moko bo ezoki c'est-à-dire même le cerveau ko yoka pe passe voilà pour ne pas trop loin je suis monsieur Racheté Mokonda coordonnateur national d'un mouvement de pression ANCP Action des nationalistes unis contre la classe de prolétarisme en République démocratique du Congo. Nous combattons écart de salaire entre les gouvernants et les gouvernés. Bref, la bourgeoisie comprador, une richesse qui vit derrière le dos de l'État. Messieurs les journalistes, j'aurais voulu d'abord... Avant qu'on commence l'émission, vous lancez une invitation d'aller visiter notre fondation qui se trouve à l'IPEN, département d'entrepreneuriat, pour que les Congolais puissent comprendre ce qu'est M. Racheté, qu'est-ce qu'il est en train de faire, son apport par rapport au social, d'une manière particulière, et la République démocratique du Congo en général. Je ne sais pas si notre invitation sera bien reçue par vous.
L'invitation est reçue par Congo Live Télévision. Na bandi été balandia Congo Live Télévision pe bakoza na besoin to kota to muna to palper du doigt réalité ko sale mananga mbokuna. Je pense que l'invitation est ali bien reçue na Congo Live Télévision. Merci beaucoup. Vous avez proposé des thématiques majeures. Oh, les ali penza actualité du jour. Discours du chef de l'État. Tout à fait. Réplique de l'Église catholique. Qui est perdant? Qui sera perdant? Permettez-moi un peu de faire les rétrospectives. Je vais me servir de trois concepts. Me référer du passé, se servir du présent et projeter l'avenir. Tout à fait. Commencer du passé. L'Église catholique ne commence pas aujourd'hui. Il y a eu ce que nous appelons guerre chrétienne. L'Église catholique a toujours convaincu. La mission de l'Église n'est rien d'autre que la défense des intérêts de la République, qui n'est rien d'autre que la mission des bons offices, du social, de la population congolaise. C'est une église au milieu du village. Au milieu du village, où il y a le pouvoir en place, où il y a au milieu du village, comme il y a un peu de borné, et il y a l'église catholique, et qu'on tenir encore la valeur. Merci beaucoup. Je suis de l'Union sacrée. Mais je combats la mauvaise gouvernance dans l'Union sacrée. Je ne suis pas comme les autres. J'ai bien dit les trois concepts. Le passé. Le chef de l'État actuel, pour être à la magistrature suprême, 90%, c'est à part de l'Église catholique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les Congolais vont aller témoin. Lorsque Kabila exerçait ses fonctions comme Louis XIV, Mussolini et Hitler, l'opposition était essoufflée. Là, nous parlons de l'IDPS. Il aurait fallu que l'Église catholique, je crois que l'émission est bilingue, bien bilingue. Il aurait fallu que l'Église catholique puisse venir mettre le pouce sur l'action de l'opposition. Là, nous parlons de Calcessé. Et il y a eu des morts. Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a eu des morts. Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, les autres. Je n'aimerais pas commencer par là. J'aimerais commencer par Mamadou Ndala. J'aimerais commencer par Mbouza Mabé. J'aimerais aussi commencer par Général Bahouma. Secundo, nous allons parler de M. Floribert Chebeya, activiste des droits de l'homme. Fidel Bazana, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Hussein Ngandou, je crois que vous les connaissez. Ce sont des gens qui ont perdu leur sang, qui se sont donné leur sang, ils se sont donné le sang pour que nous puissions accéder, pour que l'opposition puisse accéder à la magistrature suprême, à la remise de Joseph, de M. Félix Tshisekedi. Donc il faut tenir l'origine Nabiso. Il faut tenir l'origine Nabiso. Si aujourd'hui nous sommes à la magistrature suprême, nous nous appelons de l'Union sacrée. Donc il y a l'origine Nabiso, nous serons foutus. Deuxième préoccupation. Ce qui est l'Union sacrée, vous allez faire bataille dans l'Église catholique, vous allez préméditer l'échec de l'Église. Si et seulement si l'Église catholique a ça la mission de bons offices, comme il le faisait, comme il est en train de le faire, et
akosalango dans le futur. Mais lelo le pouvoir en place est quoi accuser l'Église catholique qui est nanga mbo opposition. Église catholique est quoi kanga mamingi mingi na mona mboka Moïse Katumbi est quoi kanga mamingi mingi na bayi opposant. Lelo oyo et UDPS peut pouvoir en place est quoi baete Église catholique ezali église au milieu du village té mona mboka. Bon. Tu as dit que l'Église catholique a soutenu la mingi les marginalisés. Nous sommes Congolais. Nous avons l'histoire du Congo. En particulier l'histoire du monde. Mais ce qui l'Église catholique a fait qu'on se prononce à 100% pour Moïse Katumbi, là nous le condamnons. Mais ce qui a fait la mission, il y a bons offices. Là, je parle de la rétrospection. Je donne un exemple. L'opposition a demandé les meetings ou bien les marches, les 20. Les gouverneurs de la République et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa ne pouvaient jamais autoriser 4 structures à la fois. Il a prémédité les confrontations. Là, vous allez comprendre, vous serez d'accord avec moi que le chef de l'État prône la bonne gouvernance et l'État de droit. Donc, tu as accusé les lois de Jantini Ngobila qui a bougé ça qui est KO dans la ville province de Kinshasa. Exactement. Tenez. Lorsque la constitution parle de l'information, mais lui interprète l'autorisation. Il est anticonstitutionnel. Constitution parce que mais il y a information, il y a quelqu'un à encadrer. Mais ce jour-là, je voulais pleurer. Dans le processus électoral et démocratie. Jatini Ngobila a commis qu'on légitimait l'opposition. A commis qu'on ça le marketing et l'opposition. Là, je voulais dire quoi? Toutes les confrontations, il y a marche, il y a opposition. Maintenant, la communauté internationale a se saisir na yango pour sanctionner la République démocratique du Congo, la violation des droits de l'homme. Là, je parle image ya mwana muke, oyo monaki, image ya Mike Mukebayi, image ya violation non proportionnelle ya service ya la police. Par rapport à la marche ouana. Après, tu peux comprendre l'arrestation de Salomon Escadela. Bientôt, tu peux comprendre l'arrestation de Franck Diongo. Kabundu, arrêté avec son immunité. Je me pose mille et une questions. Où est la démocratie tant attendue par nous qui venaient de l'opposition? Autosali, comme il t'a dit, autosali, bateau ya pouvoir, la majorité. Tozo ko seka makila, ya Rosimu Kendi. Tozo ko seka makila, ya Floribert Chebeya. Tozo ko seka makila, ya Fidel Bazana. Ou bien aussi que c'est que Makila, il y a Mamadou Ndala, pour ne pas dire Général Bauma, et puis Mbouza Mabé. Nous devons nous servir de la démocratie et de l'état de droit comme leitmotiv. Il y a processus électoral. Nous devons corriger les erreurs du passé. Mais les lois où mon amboka racheté, yo bino bozali na kati ya union sacrée, les lois où mais to comment on a été ba makambo oyo idepes
top et bande ko opposition oui bazalaki na kala ba déploraka na na régime ya Kabili lelo oyo IDPS a kozungisa makambo wana IDPS na pouvoir a kozungisa zungisa makambo wana est-ce que ko arranger lelo oyo pouvoir en place lelo oyo IDPS a ko s'attaquer na église catholique bazalaki partenaire et lobby jadis ya IDPS lelo oyo église catholique a komi ennemi to ko ba clair que guerre ezali lancé entre IDPS le pouvoir en place na église catholique mon ambo na sengi réconciliation entre le pouvoir et l'église sinon to ko subir ba conséquences na Congo il y a 30 ou 40% osent représenter la population congolaise c'est l'église catholique. Il y a mis balé, na sengi apaisement, na processus électoral. Pour éviter la gestion au Kabylie. Oui, la population congolaise, la personne qui est chef de l'État, mandat il y a 5 ans. Mais que le chef de l'État n'oublie pas Azali na devoir, il y a redevabilité. Ce qui va se passer le 20 décembre ici. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple et par le peuple. Élection, il faut les apaiser. Il faut les démocratique. Transparence pour nous corriger la gestion de la Kabila. Bon, quand vous parlez de l'IDPS, je ne serai pas d'accord avec toi. Parlez de la majorité présidentielle. Toujours sur le monde de la majorité présidentielle, bande connons sur Bayana Kat, IDPS, tout le monde, Bazalaki, Baoui, Baforma qui, hier, corps il y a force Kabili les lois bangonios bah sopani bah komi bah tshisekediste plus même tshisekediste oh bah kutiwana est-ce que les lois t'ont quoi espéré le quoi malam on a quatre unions sacrées. Merci journaliste d'investigation, le poisson ne pourrit que par la tête, il y a pas mauvais troupe, il y a que des mauvais chefs. Un bon leader doit être entouré par la qualité, non la quantité. Un bon leader doit être entouré par la qualité, non la quantité. Mais Bandeko, Joseph Kabila hier a lobby, Nazanga dit 15 personnes. Ce sont de mêmes personnes. Oh, Lelo Bazana Katsenyo sacré. Vous avez parlé de Joseph Kabila. Mais permettez-moi de revenir plus loin que ça. Soki Mobutu. À Koufi, parce qu'il a été Maroc, parce qu'il a été mal entouré. Ce qui mouze à Koufi, na liwa ya coup d'état, tire les autres, il a été l'entourage. Ce qui Joseph le Kabila lelo a été se confiné na Kingakati, et puis a commis Baba. Ako kako bimali susu di banda ya mbokate l'entourage. Ce qui lelo, ce qui nous révèle à prévenir au chef de l'État de pouvoir assainir son entourage. On commence à parler diaspori. Parce que le diaspora batikala ki na poto. Le diaspori au bayaki. Là, nous citons le Bilomba. Nous avons cité le président, le conseiller spécial. Les conséquences, nous en savons. Bien que le président a pris conscience de pouvoir sélectionner, qu'on a équipe, mais il y a aussi des fruits. Oh, que le président il est dans l'obligation de pouvoir assainir son entourage. Nous ne donnons pas l'ordre, mais nous recommandons au chef de l'État
de tirer les conséquences, de se servir du passé. Là où nous avons cité Mobutu, comment il a terminé? Mosé, comment il a terminé? Joseph Kabila, son prédécesseur, comment il a terminé? Il doit se servir du passé. Il doit te référer du passé, servir du présent et projeter l'avenir. Si aujourd'hui, nous voyons, moi j'ai vu le chef de l'État de lui-même, il a dit, critiquer le président de la République, sa gouvernance, c'est bon. Mais j'ai suivi hier les déclarations, il y a maman, il y a Frère Kidjomo, j'ai failli pleurer. Maman, il y a Frère Kidjomo, il y a et le combat que Frank Diongo a sali dans la République démocratique du Congo. Pembeni ya sfex délimité. Récompense Oyo. Entourage. Ya mokonzi ya mboka bakoko sala. Ezali basali wana te mon frère. Lelo Oyo et le même entourage, même pouvoir en place. Permettez. Bako acquise Frank Diongo qui a participé na au Italie coup d'état contre chef des nations, atteinte et assurété. Ça ne me préoccupe pas. Vous savez, nous, les hommes politiques, notre chambre, c'est prison de Makala. Tu ne peux pas te prétendre aujourd'hui, je suis dans les mangeoires, mais un jour, on a comme la prison de Makala. Ça, et ça. Penza préoccupé pour l'Angaïti. Mais le dire à maman et à Frère Kidjomo, il a dit ceci. A Sololakana maman Marti. Combat à Frère Kidjomo. Lelo ya Zobela. Moubaï na ya Zobela. Ce qui Frère Kidjomo a koufi. Ce qui y a koufi. Ce qui maman à Frère Kidjomo a koufi. Ce qui papa à Frère Kidjomo a koufi. Ma kila na moutou ya chef de l'État. Interpellé Ngaï. Interpellé Ngaï. Donc, tout le pouvoir, il y a qu'on frustré l'opposition. Nous demandons que les élections aient le processus démocratique et que les meilleurs gagnent. Mais ceux qui ont leur entourage, il y a beaucoup de gens, c'est la politique, il y a qu'on frustré le leader. Pour toi accéder à la deuxième mandat, moi, tant que coordonnateur national, il y a un mouvement de pression ANCP. Je regrette. Je vais recommander au chef de l'État de pouvoir assainir son entourage. Premièrement, secondo, se référer du passé à se servir dans le présent et puis à projeter l'avenir. Lelo oyo ba perquisition et kosalema na ngambo ya opposition to komona lolenge kani chargé ya sécurité ya chef de l'État honoraire Joseph Kabila na maboko ya justice. Lelo oyo ba perquisition et kosalema lelo to moni lettre bimi été le 4 proche ya Joseph Kabila et Ramazani Emmanuel et Raymond Tshibanda et Roubero na Marie Ange Mouchebe quoi bazali convoqué na justice. Lelo oyo makambo na nyonso ekosalema, est-ce que lelo oyo eko provoquer chef de l'État honoraire te oyo olomi na biso awa ke avanda na ebaba avanda kimia lelo oyo makambo ekosalema, est-ce que y provocation te pa ya mona mboka Joseph Kabila? Vous avez cité quatre leaders proches de Joseph Kabila. Moi je vais m'atteler sur deux. Raymond Tshibanda et Ramazan Shadary. Accord. Oh, Raymond Tshibanda, qui n'est qu'au signé Yango. Bah, Keti, qu'au brader la constitution. Oh, le bagique. Les services de sécurité. Il y a Rwanda, il y a Ouganda. Ils ont permis. Qu'il y a. Qu'au sala. Bah, fui la République démocratique du Congo. J'ai dit. Raymond Tshibanda a trahi la République démocratique du Congo. Il mérite des poursuites judiciaires. Ce qu'il a fait, nous le qualifions de la haute trahison. À Koria Lemera, c'est là que je parle. Non, si aujourd'hui nous connaissons FDLR, nous connaissons les deux concepts, mixage, brassage.
c'est Remo Tshibanda. Remo Tshibanda, ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit, nous avons dit, nous arabe, on devrait le fusiller. Bazali ebele oyo lelo oyo ba tokolo ba ete ba kote kamboka bazali ebele na kati ya ba yi politique na biso oyo ba ko participer na kote ka République démocratique du Congo ba ko participer na ba accord ba ko participer pe na ba masolo e ko beta na ba ndeko ya Rwanda ba ndeko ya oyo nyoso bazali ba yini ya République démocratique du Congo. Je parle, oui, je suis d'accord avec vous. Permettez-moi, je parle de Remo Tshibanda. Remo Tshibanda azalaki na San City. Là où on est allé intégrer accord ya Lemera na constitution ya République démocratique du Congo. Qui stipule le Congo pour la souveraineté nationale. Akoki ko brader portion ya mabele na ye na faveur ya région. Remo Tshibanda était là. Il est venu légitimer, j'ai dit. C'est que ma suite haute trahison m'a incorporé dans la constitution. Aïko légitimer dans l'accord de Lemera. J'ai dit bien accord de Lemera. Aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo, tout ça, qu'on subit plus de 12 000 morts à cause de cet homme? Est-ce qu'il mérite d'être congolais? Est-ce qu'il ne mérite pas de poursuites? Aujourd'hui, le président américain, si les faits rétroactifs de sa gouvernance comme président américain est en train d'être poursuivi, condamné. Le président français, poursuivi, condamné. Le président sud-africain, là nous sommes en Afrique, parce que Congo le Belanga est na Europe, nous sommes en Afrique. On l'a démis de ses fonctions lors de l'exercice de son mandat. Et aujourd'hui, le fait qu'a fait Remo Tshibanda ne peut pas être poursuivi. Non. Sinon, les Congolais seront lâches. Chadari, tant que candidat président de la République, il nous a laissé un message. Bah fingi maman na yo, finga maman na yi. Bah tie to tie. Coup sur coup. Nous sommes allés trop loin. Na komi na Delvaux. Na moni. Na mona banderole moko wana bakoma likofi ya Kabila. Likofi ya Kabila ekoloba nini mwana mboka? Likofi ya Kabila ekoloba nini? Mais la personne azali na Assemblée nationale, ex-ministre de l'Intérieur. Likofi ya Kabila atepe banderole ya mwana. Tozui kaka liwaya ma liwaya chebeya to pesi to latisi na mutu na ye Thérèse Kapangala to latisi na mutu na ye Fidel Bazana to latisi na mutu na ye. C'est lui de Kofi Kabila, non? Dans quel sens? Vous connaissez la personne qui est à l'Assemblée nationale? Tangaye, le loup, il y a un Congo Live télévision, il y a un bombaka, il y a un bombaka. Il s'appelle Mo Vasakani. Ministre de l'Intérieur. Tozui, massacre ya Bundi dia Congo. Ah, donc, Mo Vasakani a confirmé le Kofi ya Joseph Kabila. Tozui, phénomène comme on a sapo, na mutunaye. Les banderoles étaient là. Vous êtes des journalistes d'investigation? Non, il y a des choses. Oui, ça a mis en boca, Ozo Senga, il faut poursuivre. Même moi, en boca, Joseph Kabila, il faut la poursuivre. Mais quelqu'un qui a laissé, qui nous a laissé un salaire, il y a 680 000 dollars. Bazo Futaïti Lelo.
$45,000 comme ancien sénateur. Soda Lelo bazo futa 280 000 francs congolais. Assegna 400 000 francs congolais. Secteur et éducation, zéro. Onatra, Aboma Yango. Jekamine, Aboma. Onatra, Aboma Yango, c'est le masse à sali société parallèle. Abomi à l'état à Théonaï. Tokomi na zo awawa. Abomi zo. Memi, Banyamanyo, c'est là qui na zo wana. Na Kingakati. Donc Kingakati est comme zo. Mais c'est la République. Soit que tu as commis à tout le monde, mais qui est-ce qui est là? Je suis là pour Kabila, le Pango, le Monene, le Kingakati. Tu as un peu de temps, tu as un peu de ce que je sache, la loi dit ceci: pour l'intérêt de la nation, on peut exproprier Kingakati. Baluki, place Moussousou, parce que l'État a se servi dans le gaz, dans le pétrole. Bah, oh, je vous l'ai dit. Oh. Et c'est faisable. Et pour ça, les mappés. Je vous l'ai dit. Il a compris que Jisima Ezawana n'a pas commis fan de ça. Mais oui. Je suis Félix Antoine Tshisekedi. Donc, na Kingakati, ba matière première ezali. Je parle sous micro. Il y a chaîne Nayo sous l'expertise. Il y a République démocratique du Congo si le gisement aux a reconnu parmi les gisements oyo Congo a ko bénéficier nango Kingakati fait partie. Ah na bandi était ko balandia Congo Live télévision to lobaki yango était mwana mboka kacheter lobaki était yaira ba vérité na ya bibisa parce que trop c'est tôt na kati ya République démocratique du Congo parce que ba congolais ba konyo comme mingi lelo oyo peuple congolais na posa mona développement mais ina ba oyo ba ko s'enrichir pe ba ko tika peuple et s'appauvrir donc to ko yeba yango ki mwana mboka lelo to betani solo parce que lelo oyo parce que ba congolais ba ina bezo ba yeba donc Kingakati to mona ka Kingakati wana et bomba ba minerai na kati et pétrole et bomba ba matière première. Pétrole autant de mètres cubes ezawana. Joseph Kabila dit ceci tango ba bandai koya na muse ba komaki na kenge akomi na place moko asala ki signe asali signe ne place yango a se reposa ki wana amona ki mupepe ya bien nde Kingakati. Ne t'en va comme un pouvoir à quelque somme bakuna. Non. D'après l'expertise, il y a Bajissima et la République démocratique du Congo, pendant le règne, il y a 18 ans, on est allé découvrir que des gisements pétroliers et zawana. Oh. Nous avons dit, bon, ça va. Comme les Congolais sont naïfs. Yenda Zakler a profité par le chef coutumier a escroqué par mon éloge comme boy a kende kofanda wana. Donc a kende ki na Kingakati kofanda te comme résidence, c'est parce qu'il a connu que magiciement il y a pétrole les awana. Mais la loi nous dit, la loi est claire. Donc, pour l'intérêt de la nation, oui. On peut délocaliser Kingakati. Donc que ça les laie place beaucoup parallèle, l'État se met à se servir. Mais Tolobaka a été le sol et le sous-sol parti à l'État congolais. Exactement. Les lots qui ba matière première et qui sont dans le congolais, l'État a une possibilité de délocaliser les Congolais pour que l'État aille utiliser la matière et qui sont. Donc les lots, ce qui était Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et Longo a connu sur une décision que moi, Mboka Joseph Kabila, à Longo, à place à Zalia, qui est une place pour l'État et bénéficier de la matière première qui est dans Kingakati, est-ce que les lois sont possibles? Je crois que vous avez confirmé ma thèse. Vous avez infirmé ma thèse. Je ne suis pas juriste. Je suis politologue de formation. Pour l'intérêt général, ce que je disais, c'est que Babouka immeuble Oyo, Nzela ou bien Nzela et le Kana Awa, ou bien ça l'autoroute Awa, l'État va démolir l'immeuble. Pour l'intérêt général, il va indemniser.
Et je vous promets, l'État congolais va indemniser Kinga Kati, va délocaliser Joseph Kabila pour se servir de pétrole aux Zawana. Je ne sais pas si tu es là, parce que tu es là, 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 Likamboko kamwa na bandi ete gouvernement et puis président de la République a koyoka biso lelo oyo ba congolais ba ko couper na kati ya souffrance mais na bande ko ba vandeli matière première ndeko yo avandeli et ba minerai ya mboka eza ko sala passer ko interpeller lelo ba congolais lelo to ko lo ba mona mboka lelo oyo est-ce que opposition et ko sala poids contre le pouvoir en place. Permettez monsieur le journaliste, je vais aller un peu trop loin pour fermer parenthèse ou en répondre à la question. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, si nous avons infiltration de l'armée en République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila. Nous avons connu des Rwandais, des généraux à la défense de la République démocratique du Congo. Pour ne pas citer Bosco Ntaganda, nommé général par Joseph Kabila, tant que je suis dans ce pays, à l'objet que je suis congolais et rwandais. C'est la haute trahison. Joseph Kabila, très malin, a dit que c'est une infraction de haute trahison. Na Rwanda, na Uganda, po armée na bango ba kota. Na est ya République démocratique du Congo. Il a compris que vraiment ce que je devrais faire, il faut na joie autorisation na Assemblée nationale. Pendant l'époque de qui? Vital Kamerhe. Ah donc Vital Kamerhe pas qu'on participer les lois où na passe ya République démocratique du Congo. Malgré tous les lois na carte union sacrée. Deux éléments de réponse. Azali ko participé na kati na malaire ya République du Congo parce que azali initiateur ya classe ya bourgeoisie. Ce qui te comme là na écart de salaire entre les gouvernants et les gouvernés, c'est Vital Kamerhe. Il est le premier président de l'Assemblée nationale. Oh, Matissa qui salaire ya ba député fois 3. A comme na présidence a Matissa salaire ya ba conseiller fois 3. Aujourd'hui ce qui ma présidence conseiller m'a reçu 18 000 dollars. Oh, conseiller m'a reçu la présidence. Je l'ai dit, 18 000 dollars. Ah, aussi longtemps qu'il est enseignant, a reçu combien? 200 000. L'initiateur, c'est Vital Kamerhe. Conseiller n'a présidence a reçu 18 000 dollars. Je dis bien 18 000 dollars. Ce qui est comme il est là, que ma députée m'a reçu 21 000 dollars dans l'Assemblée nationale. Soubassement, c'est Vital Kamerhe. Maintenant, nous avons plus loin. Ma député bazwaka 21 000 dollars. Bazwaka 21 000 dollars plus 1000 dollars y a crédit. Il y a téléphone. Mais oui, je vous l'ai dit. Oh. Je vous l'ai dit. Moi, sur le belé, bo, et non, sur le détriment, y a personne. Quiconque est à la contre, n'a pas la Zoloba. Et à la Mbosu. Et à les députés nationaux. Débat contradictoire. Ils ont 21 000 dollars. Ceux qui députés, les lois qui ont 21 000 dollars plus 1 000 dollars. 1 000 dollars, il y a crédit. Bureau de l'Assemblée nationale, qui ont combien, mon amour? Vice-président. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, il y aura 300 000 dollars. Oh, bah, Congolais, la bandiette. Oui, c'est grave. J'ai suivi M. Mbata. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, il y aura 300 000 dollars. J'ai suivi M. Mbata. Na top Congo. Il dit grâce à numérique. Le coup la numérique est commis. Bateau yo bazali ko spéculer na salaire na biso to ko landela bango na numérique pour to kanga bango. J'ai dit mais c'est Mbata, je suis le premier à être arrêté. Si et seulement si vous êtes constitutionnaliste, professeur d'université, na pas n'importe qui. Salaire
y a l'Assemblée nationale, ce qui est l'Apocalypse. Si la loi ne dit pas que Bissot aux Alibes a conduit la Bango, parce que nous les avons mandatés. C'est nous le peuple. Nous les avons mandatés. Mais il aurait dit quoi? Ngaï, n'a démenti que Nazalaka n'a salaire, Nangaï Zalaka, 300 000 dollars, mais Nazalaka n'a 2 000 dollars. Et pourquoi il a frôlé? Publié son salaire. À cause de 2 000 dollars, il y a aussi le temps. Mon frère. Et le député simple à cause de 1 000 dollars. Et bon, vous voyez, premier vice-président, à cause de 2 000 dollars. Donc, à qui ni 300 000 dollars, Toloba? Vous croyez, vous serez d'accord avec moi que ce qui est. Les Congolais sont en train d'être massacrés. C'est à l'Assemblée nationale. Oh. Parce qu'il y a des gens qui ont élection. Parce que vous perdre l'émoliment de Bango. Les 21 000 dollars. Et vous allez comprendre que le budget national, 70%, est qu'il y a institution. Malheur à la République démocratique du Congo. Nulle part dans le monde. Tout est dans la Chine. Donc, le budget est un peu plus grand que le et pas un politique. Toi, quand on a réussi, budget, il y a armée, il y a défense, il y a réussi, c'est 43 milliards de dollars. Budget, il y a défense, il y a réussi. Mais, Bissot Awawa, il y a 0,0,0,5%. Tu veux quoi louer dans la défense et l'armée? Nous attendons à quoi? Aller défendre l'Est. Avec un salaire moto à Pessi Makila Naye, à Tiki Moisine Nakan, à Kako Kounde la Moka, à Bengali Moisine Nakan. Oh, mais tout le monde a banda pour les alliés, tout le monde a mis le cas, tout le monde est président de la République a inauguré l'hôpital Monene, n'a pas y a pas JR, mon amboka. Je vais aller plus loin. Je suis estomaqué. Tant qu'on a un militaire, oh, a Zoki na front. Le colonel est Katani. Azana Balabala Zosengambongo. Mais les députés à l'Assemblée nationale, ils ont tapé les leaks. Ils ont 21 000 dollars. Journaliste d'investigation, vous allez comprendre, vous serez d'accord avec moi. L'Assemblée nationale, pendant 4 ans et demi, ma voix est loi moko na faveur de la population. La loi nous a voté dans l'Assemblée nationale en défaveur de la population congolaise. Est-ce que l'Assemblée nationale a repris sa confiance? Non? Mais les lois, ceux qui sont dans la malamou, dans la République démocratique du Congo, ma véritable est que ça n'a pas signé dans la population. La population est comme on a des bateaux, a repris sa confiance, les lois ne trahissent rien, mon amboka. Tant qu'on a un député national de la personne de Singi Pouloulou, il a une loi à la Congolité. Et je vois quelqu'un qui a détourné Mbongo, il y a Jekamine. La valeur est à 850 000 dollars. Je vois quelqu'un qui a détourné Mbongo, il y a Snell, 31 000 dollars. Je vois quelqu'un qui a détourné Mbongo Yabukangalonzo, 205 000 dollars, qui est étranger et qui ne l'est pas. L'adversaire, l'ennemi, il y a Congo et Congolais lui-même. Pas n'importe quel Congolais, des pères et des mères. Vous allez comprendre que, par exemple, ce sont les Congolais des pères et des mères. Raison pour laquelle j'ai dit, c'est inutile. Il n'y a aucun distraire de la loi locale à la Congolité. Ceux qui ont détruit le pays ici sont les Congolais de père et de mère. Nous avons été parler de l'eau. Est-ce que l'opposition est que ça poids contre le pouvoir en place, mon amboka? Je reviens concerner la question. Je ne suis pas d'accord. C'est que la majorité présidentielle a zali ko sala étiquette comme ma baignon sur la Congo et zaba opposant. Mission de Tozassin. Je ne peux pas préméditer. Mais les arrestations, même les procédures na yango, procédure des arrestations,
y a Salomon Skadela. Procédure, il y a arrestation. Il y a Frère Kidjomou. Procédure, il y a arrestation. Il y a Jean-Marc Kaboum. Ils ont reflété l'état de droit. Ni moins la démocratie. Il est où, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, à Koukouma, moi, orgueil, moi, quoi, y a dictature, moi, sursaut, moi, quoi, y a dictature. Je ne condamne pas le chef de l'État, son entourage. Si le chef de l'État, Azala, qui est bien entouré, il ne devrait pas tenir l'engagement de Warana face à l'Église catholique. Il devrait peut-être colloquer la réconciliation. Toujours qu'il y a un enjeu politique, un enjeu électoral. Ils ont mérité climat apaisé. Il y a processus électoral. Ne pas fouiner, ne pas arrêter des arrestations sans cause des opposants. Règle des jeux que ça a respecté. Donc, ça veut dire qu'on les élections en République démocratique du Congo. Donc, on peut les opposants à la force. Battez-les maintenant. Résultat de l'élection. Bino, est-ce que le discours du chef de l'État est cause à l'occasion de la menace de la catégorie politique ou de la catégorie République démocratique du Congo? Je vous répondrai par ceci. La défense des intérêts de la République démocratique du Congo n'est rien d'autre que la mission des bons offices aux églises catholiques à Zosala, à Salaka, à Kotikalaka, à Salayango. Aujourd'hui, si nous sommes au pouvoir, 90% des alliés sont forts à l'église catholique. Si l'entourage du chef de l'État, vous allez encadrer les propos du chef de l'État, nous serons qualifiés des ingrats. L'ingratitude. Je suis été mon amour racheté na kotuna yo parce que tokomi na souka na kotuna yo deux questions. Motuna eliboso lelo oyoto tokopisa na pene pene ya maponami le 20 décembre 2023, il nous reste plus ou moins 5 mois. Lelo oyo tokoloba été mandé un chef de l'État ali positif. Le bilan est positif. Ce qui est mission, c'est une émission politique. Je vais défendre la couleur du chef de l'État. Mais il y a comme coordonnateur national et un mouvement de pression. Permettez-moi de faire ce qu'on appelle la question d'émergence. Sortir hors du passant, il y a politique. Pour faire ma réflexion. J'aurais voulu que Bisson en majorité, que nous puissions prendre en compte les réclamations de l'opposition. C'est ça qui a mis ça. Audit réel et affiché électoral. Ce n'est pas grave. À l'époque de Kabylie, nous avons vu Batoubazo Koufa Awa pour la serveur central. Ce qui est le Bisson, c'est quoi, to qui est l'opposition, qu'ils disent. Ou non, va auditer. Même si on va auditer fichier électoral pendant 10 fois, tu vas perdre la vie sur le remorqué. Ça, c'est la première préoccupation. Tant que tu as bureau et CENI, nous sommes tenaces. Tant que tu as cour constitutionnelle, nous sommes tenaces. Les élections n'est pas pour l'union sacrée, ni moins pour l'opposition. Ni majorité, ni opposition, l'élection est un processus. Ils allaient accompagner tout un Congolais. C'est un droit légitime. Ils allaient tomber. Il faut tout le monde avoir des règles de jeu, ils allaient clair. Sinon, nous ne serons pas différents de la Kabylie. Moi, j'ai dit, pour terminer, nous avons connu les élections.
trois processus électoraux dans la période de Kabila. Non, 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 non. Nous n'avons pas connu les élections. Il y avait parodie des élections. Il y avait ce qu'on appelle fête d'annonce et geste symbolique. Fête d'annonce. Kabila a organisé premières élections. C'est Jean-Pierre Bemba. Oh, ce n'était pas lui. À quelqu'un qui a organisé deuxième élection, ce fait que c'est délimité. Ouazouaki, on a proclamé Joseph Kabila. Mais qui a proclamé troisième élection, l'opposition à Zolobake, Tozali n'a pouvoir moko illégitime. Pourquoi? Verdict des urnes. Oui. Ebiminani. Non! Je ne suis pas là pour aller trop loin par rapport à ma concept. Mais nous devons corriger cette fois-ci que les élections aient respecté l'aigre de tout un chacun de nous. Tout Congolais est égaux devant la loi. Donc, moi, tout Congolais est égaux. Moi, je Félix Atoua n'a pas quitté en 2018. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai donné que... Non, je n'ai donné que les revendications de l'opposition. Le verdict des urnes. C'est là que nous avons fait. Non, tant que nous avons fustigé les trois organisations d'élection, et Salem n'est pas à mon amour, Joseph Kabila, Lobby Ali Bosso, Jean-Pierre Bemba, Emi Balé, et Sphinx Ali Mété, Etienne Tshisekedi, Yami Sato, Lobby Vérité des urnes. Donc, tant que nous avons fait l'élection, c'est là qui fraude. Vous et moi, on est Congolais. Est-ce qu'il y a eu de bonnes élections? Est-ce que je peux légitimer, n'a conclure, je peux légitimer élection parce que Félix a comme président. Donc légitimer que l'élection, les gars, il m'a l'âme. Pas que Félix a comme président. Bon, tu causes là. Les élections, il y a eu Monsieur Nanga. Ou à Kendeki, na serveur central na Kingakati. Pour n'a la tripatrouage. Parmi lesquels, pour lesquels, 80% des députés au bazar l'Assemblée nationale sont des députés nommés et non votés. Obama a déposé la candidature de Yowap. Moi, c'est un an à la campagne de Yowap. Par contre, il y a une assemblée nationale de Yowap. Merci beaucoup, journaliste d'investigation. Je suis dit que ma tante Mingi n'a pas racheté. Et là, il y a un moment où vous partagez dans l'émission. Il y a des gens qui ont la vérité. Et ça, il y a des Congolais qui ont la situation. Il y a des Congolais télévision au cœur de l'information. Il y a au cœur et actualité. Il y a des Congolais dans la République démocratique du Congo. Il y a Bozala qui est belé à Kolanda Bisson à Mokolo Mwalelo et na Kotonda na Kombo ya ba téléspectateurs pe ya équipe Union sur Congolais FM Télévision Maton Domingue Nandenge Undima qui invitation na Bisso pe ouye na Kati ya Congolais FM Télévision Maton Domingue mwana mboka. Merci beaucoup, journaliste d'investigation. Nous sommes au débit. Tozo Zela, c'est ni Abeta sifflé. Et on sera là pour débattre de la République démocratique du Congo. En général, les élections en particulier. Pour faire voir aux Congolais qu'il n'y avait pas eu les élections. S'occuper Mbalao de revenir, de corriger ma erreur et la cabalité, il n'y a pas les élections. Il n'y a que des parodies des élections. Il n'y aura que des parodies des élections. Il n'y a que Kabylie sous forme et l'Union sacrée. Voilà, Nabandi était Maton Domingue et Barani sur Congolais Télévision, Tokutana Mikoulezali Koya, Nanimero Moussousou, Pena invité Moussousou, Boutique à la Malam Namabotanabino.